J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Donc, comme vous l'avez pu le voir dans le titre, donc dans les prochains jours et aujourd'hui, aujourd'hui, je commence une série Back to School. Donc, désolée si elle sort super tard. Mais voilà, hier, j'avais pas encore tous mes affaires, mais il manquait quelque chose. Mais je voulais quand même que tout soit complet. Bon, bref, désolé s'il y a beaucoup de bruit, c'est parce qu'il drage dehors. C'est vraiment très cool. Mais bon, bref, on va pas trop parler du temps. Alors, voici mon sac d'école. Donc, en fait, c'est le même que l'année dernière. Parce qu'en fait, je trouve qu'il est pas abîmé. Et puis... c'est une bonne qualité spec et puis je l'avais eu à Noël donc je propose d'ouvrir mon sac comme il y a beaucoup de choses dedans et voilà et je les ai pas encore mis dans ma trousse parce que ma trousse voilà elle est pas très grande enfin si enfin voilà quoi vous avez compris alors la première chose que je vais vous montrer c'est bien sûr le plus important, c'est mon agenda. Donc, c'est un agenda rose et noir. Donc, il n'y a rien de spécial. C'est juste écrit aujourd'hui, on fout rien. Je trouvais que c'était marrant. Donc, je me suis dit, je vais le prendre. Et voilà. Donc, en fait, pendant les vacances, ça fait les petites choses là. Donc, en fait, tu sais te repérer. Tu sais que, genre, quand tu tournes la page. Les vacances. Mais après, normalement tu le sais, mais voilà, ils l'ont mis dedans, je trouve que c'est quand même bien fait. Après, il y a aussi des genres de petits trucs pour, par exemple, attendez, hein. La dernière fois j'avais vu, voilà, là il y a un cadeau à gagner, voilà, et puis là tu peux mettre des photos que tu as pris avec tes amis et écrire en dessous avec qui tu étais, et donc ça c'est vraiment cool. Et après, il n'y a rien de spécial. Là, tu peux écrire une musique, comme si tu allais mettre une musique. Enfin, tes musiques préférées, ou juste écrire une musique que tu aimes bien. Voilà. Et là, tes blogs. Voilà. Etc, etc. Après, je propose de montrer ma trousse, si je la trouve. Parce que quand même, la trousse est un truc important. C'est pour ça que on vient à l'école. Enfin, je rigole. Donc voici ma trousse, donc c'est pas la même que l'année dernière. Donc en fait c'est pas une trousse que tu poses et qui en fait qui est super, qui est comme ça. En fait elle est comme ça. Je sais pas pourquoi je l'ai achetée celle-là. Je trouvais qu'elle changeait par rapport aux autres. Et en plus elle est en cuir. Non, ouais je crois qu'elle est en cuir. Ouais on va dire qu'elle est en cuir. Et donc ici dedans j'ai une colle, mais celle-là je crois que pas trop que c'est une bonne qualité. On l'a achetée à Emma pour ceux qui connaissent. C'est plutôt un magasin de habits et voilà donc je voulais tester quand même mais après j'ai encore des autres cols que je vous montrerai après donc plein de petits fluos mais ceux-là je vais les mettre dans ma trousse de crayons de couleur parce qu'en fait c'est plutôt des fluos de crayons de couleur crayons de feutre pardon ici nous avons un crayon bleu en or donc voilà et je trouve qu'il était super beau après mon compas de l'année dernière qui est encore super bien donc à quoi ça sert d'acheter encore un nouveau pour en fait gâcher l'autre donc je réutilise le même en plus il est super bien parce que c'est pas une mine qui se casse à chaque fois donc encore les fluos donc j'ai quatre couleurs j'ai bleu vert rouge et jaune. Donc là, le rouge et le jaune, il est ici. Voilà. Désolée que je passe super vite, mais voilà. Après, on a une gomme. Donc ça, c'est encore la même marque, Emma. J'ai acheté les trucs, les mêmes choses, mais de meilleure qualité comme ça. Par exemple, si ma colle, elle ne marche pas bien, je peux direct la changer. Et puis celle-là, je peux la garder à la maison. Donc, comme ça, ma mère, nous, on n'est pas obligé d'aller racheter un crayon, enfin, un crayon, des trucs comme ça. Donc, encore un crayon comme ceci, bleu. Et là, il est en argent. Donc, il a un peu un effet, comment dire, métallique, voilà. Et lui,
moi, parce que ça c'est en or bien sûr. Et ici nous avons un liquide, mais je l'ai aussi acheté en souris parce que je sais que nos profs, il y a des profs qui n'aiment pas du tout bah, le blanc au liquide et qui vont peut-être bah, enlever ça, enfin qui vont peut-être interdire bah, le blanc en liquide. Donc voilà. Donc je vais le remettre dans ma trousse. Mais après, je propose de vraiment faire ma trousse correctement. Donc voilà. Donc après, voici mes crayons de couleur. Donc c'est pas des crayons de couleur super que tu te dis waouh, des crayons de couleur laser. Aïe, je me suis fait mal. Bon, bref, donc c'est les crayons de couleur, donc il y en a 12, et puis c'est une metal box, donc voilà. Je vais arrêter de toucher à mes cheveux. Donc ceux-là, donc voici mes crayons de feutre. Donc c'est pas des crayons super fines avec la pointe super fine, donc je vais vous montrer comme là, ça. Donc en fait, oups, bon, voilà. Donc c'est des. Enfin, c'est des mines, c'est pas vraiment des mines, mais je ne sais pas vraiment le nom, voilà, pour dire qu'est-ce que c'est. Donc moi j'appelle que c'est, je dis que c'est une mine. Donc il y a vraiment tous les couleurs, ça c'est super cool. Et ma couleur préférée, bah, c'est le bleu vert, il est trop beau. Moi franchement j'adore cette couleur-là. Et voilà, j'aime bien. Donc il y a, donc si tu dois écrire avec du rose fluo, du jaune fluo, il y en a. Donc ça c'est super. Mais ils ont coûté quand même assez cher, donc ils ont coûté au moins 15 euros et c'est quand même beaucoup, donc je vais les garder avec moi parce que quand même c'est 15 euros série, c'est pas du tout des crayons qu'on trouve dans la rue, même si ça n'est jamais arrivé chez moi. Donc après j'avais besoin d'un crayon rouge. Vert bien sûr dans toutes les couleurs, donc j'ai pris un 4 couleurs comme ça. Il y a une genre de tête de mort dessus, voilà comme ça. Et je trouve que c'est super original. Il n'y a personne qui l'avait en 6e, donc j'espère qu'il y aura personne qui l'a bah, en 5e. Donc après, on a acheté du scotch parce qu'on en avait besoin à la maison et aussi pour l'école. Donc je me rappelle que j'avais du scotch, mais ça m'a servi absolument à rien. Mais quand je le laissais à la maison, bah, j'en avais souvent quand même besoin. Donc bah, j'en ai acheté. Et ça, c'est aussi pour la maison. Donc voilà. Après, on a pris encore un autre scotch, mais invisible, donc, pour écrire des trucs. Donc moi, je préfère celui invisible parce qu'il en fait, il scotche. Quand tu le colles et tu l'enlèves, lui il est direct sale et ça c'est dégueulasse. Donc je préfère celui qui est invisible, même s'il n'est pas très beau. Donc après, on a pris des crayons de bois verts, donc tout simple. Après, moi je trouve que quand tu viens avec des crayons de bois avec plein de petits dessins, avec un cheval dessus, je trouve que ça fait fort gamin ou gamine. Donc bien sûr, il y en a trop pour moi toute seule, donc je les partage avec mon frère. Voilà, j'ai un frère pour information. Mais bon, bref. Et voilà. Donc après, j'ai acheté un ciseau parce que le mien de l'année dernière était tout pété. Et en plus, elle n'était pas très bien parce qu'elle coupait pas bien. En fait, quand je coupais, souvent ça, comment dire? Ça ne coupait pas. Tu coupais dans le vide. Donc en fait, ta feuille, elle était toute dégueulasse après. Donc c'est pour ça que j'ai acheté un nouveau ciseau. Donc c'est quand même super bien. Voilà. Et je sais que moi, j'en avais un comme ça avant. Et puis il coupait quand même bien. Donc comme vous le savez, j'ai acheté une gomme de plus parce que celle-là, oups, je sais qu'elle est de bonne, meilleure qualité. Et comme ça, je sais que j'en aurai toute l'année. Si je le perds pas. Parce que je sais qu'avant, c'était toujours avec ma voisine, je peux avoir ta gomme. Genre, je sais pas, mais elle me prêtait toujours sa gomme. Voilà, donc merci. Hein. Donc après, j'ai une équerre avec un truc bidule là-dedans, je ne sais plus comment ça s'appelle. Je vous le dirai en fin de vidéo, parce que là, je ne me rappelle vraiment plus.
Ça se voit que ça fait longtemps que j'ai plus fait des maths. Donc en fait, oula, ça s'enlève déjà. En fait, je sais pas, mais ma mère, elle avait pris d'un seul coup et puis bah, j'ai dit bah pourquoi pas. Donc en fait, c'est. Oula, attends, je vais le sortir comme il est en train de s'abîmer. Donc je vais le sortir. Voilà donc. Donc voilà, il ressemble à ça. Donc c'est une équerre avec. Je sais plus comment ça s'appelle. Bon, de toute façon, je vous le dirai en fin de vidéo. Mais voilà. Donc voilà. Après, comme je vous l'ai dit, que je ne savais pas vraiment si la colle ne collait bien. Et j'avais déjà utilisé et ça collait pas très bien. Donc on a acheté en réserve de la colle, donc il y en a 4. Et bien sûr ça je partage aussi avec mon frère. Parce que 4 colles c'est un peu trop pour moi. Et mon frère il n'en a pas assez. Donc il n'en a pas. Donc on le partage avec mon frère. Après une nouvelle règle parce que ma règle de l'année dernière, quand je la mettais dans mon sac, enfin ils disent que c'est pliable, mais bon. Donc voilà, ça c'était ma règle. Voilà. Donc, on va passer. Je regarde s'il y a encore des trucs. Oui, il y a encore mon taille crayon qui ressemble à ça. Enfin, il est bleu. Normal, donc il y en a des grands de ça. Mais j'ai pris le petit parce que ma trousse n'est pas très grande. Et quand même, un grand, ça prend beaucoup de place. Donc voilà, donc ça, c'est encore des fluos. Métallique, qui font effet métallique, donc c'est super spécial. C'est ce que je vais utiliser en cours, donc voilà, il y en a 3. Et si j'en ai encore un besoin, je prends d'une de ma de mes crayons de feutre. Voilà, donc on a fait le tour de mon sac. On va passer aux choses plutôt cahiers, tout ça. Je vais pas vous montrer tout. Enfin, les trucs pas trop intéressants, je vais passer quoi. Mais voilà. Donc, la première chose, c'est les copies doubles. Donc, j'ai pris un petit paquet parce que j'en ai encore super beaucoup. Voilà. Hop. Après, des copies simples. Donc, ça, j'ai aussi pris des petits. Un petit paquet, donc j'en ai encore. Mais voilà, ça va super vite. Et voilà les copies normales. Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Et voilà. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a envie d'aller à l'école. Ce qui n'est pas le cas avec moi. J'ai oublié de montrer mon blanco en souris, donc le voilà, donc c'est pas très spécial, donc j'en ai 3, bien sûr je le partage encore avec mon frère. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a envie de la liker, la commenter surtout, et de vous abonner parce que c'est ça le plus important et ce qui tient surtout à moi de vous abonner et que vous aimez cette vidéo parce que quand même c'est pour ça que je le fais. Et ma caméra est encore un peu flou, c'est super. Donc je disais, c'est pour ça que je fais des vidéos, pour qu'elles vous plaisent. Sinon, je ne commencerai jamais à faire des vidéos. Et abonnez-vous. Et bien sûr, cette série Back to School vient de juste de commencer. Donc demain, je crois, demain il y aura une nouvelle vidéo de la série Back to School. En fait, c'est pas Back to School, c'est Back. Back to School. Parce que back, ça veut dire plutôt le bac. Et back, c'est je retourne. Retourne, voilà. Retourne à l'école, je crois. Back to school, voilà. Donc, je suis qu'en cinquième. Je ne suis pas la meilleure. Enfin, la meilleure qui sait trop parler bien en clé. Non, non, je ne suis pas ça. Mais bon, bref, abonnez-vous, likez cette vidéo et commentez cette vidéo. Si vous avez des idées encore une fois de vidéos, bah, mettez-les-moi en commentaire et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao!